C'est parti pour de nouvelles aventures. Après 10 heures de vol, nous voici à Hawaï pour une petite semaine. Et on est tout de suite matinal, parce qu'il est 7 heures du matin. Et possibilité de dormir depuis 3 heures du mat. Et on se dirige vers le plus beau point de snorkeling de l'île. Mais avant ça, c'est 45 minutes de marche dans un petit sentier dans la nature. Rejoins la mer qui est plus bas. Après ce premier spot de snorkeling, voici pour la visite d'un musée hawaïen avec les petites huttes typiques. Bon, pour ce soir, on a trouvé où dormir. C'est une petite hutte, vue sur la mer. Deuxième journée à Hawaï. Aujourd'hui, on est plutôt dans le nord de l'île. On a débuté la matinée avec une petite balade sur une plage. On a même déjà vu Samy. Et lui, il faisait sa petite sieste. Et là, on se dirige vers une autre plage, mais d'abord, c'est 30 minutes de marche dans une caillasse. C'est de la lave qui a séché, donc voilà le décor.
plage, deuxième sortie, mais cette fois-ci dans l'eau. Troisième journée à Hawaï. Ce matin, on s'est dirigé à la hack B2. Qui est la hack KQB? Voilà, c'est juste la baie qui est derrière nous. On pensait faire un simple petit snorkeling pour voir des petits poissons, mais finalement, il y a une sacrée surprise. Des dauphins, une famille en pagaille, c'était incroyable. On a juste plongé derrière nous ici, là. Ouais. On allait dans l'eau. Et là-bas, c'était la folie. Des dauphins, mais de partout, qui sautaient, qui dansaient et ils nous approchaient. C'était vraiment juste inoubliable, quoi. On a pu danser avec eux et même on a mis juste le masque tuba. On est plongé dans l'eau, on les entendait déjà, le bruit des dauphins, c'était incroyable. Jardin botanique. Ouais.
pourrais mettre une petite, petite tortue par contre là. Elle est dans l'eau. Là on vient de quitter la plage et c'est pas une ou deux tortues qu'on a vues, c'est des dizaines, partout il y en avait. C'était comme les dauphins ce matin, c'est juste incroyable. C'est parti, je vais prendre ce petit bateau, excursion pour voir les remontas ce soir, on espère les voir. Aujourd'hui, c'est road trip au nord de l'île. Ce matin, on a déjà vu des beaux paysages. De déguster des fruits frais dans une toute petite cabane tellement mignonne. Et là, on se dirige vers une belle chute d'eau. Belle journée à Hawaï. Cette nuit, on a dormi à l'est de l'île dans un beau Airbnb, un petit cabanon. Avec un fauteuil de Friends. C'est vrai, le même que Joey de Friends. Thank you.
Ce matin, on est au volcan de Kilauea. C'est un des volcans les plus actifs au monde. Alors, on va faire plusieurs randonnées. Et on va essayer ce soir d'aller dans la nuit pour essayer de voir la lave à un endroit. À la recherche de Tarzan. Après la visite d'une grotte de lave, nous voici sur un lac de lave séché. Après cette belle randonnée, c'est parti pour le cratère du volcan. J'espère qu'on le verra parce qu'il y a une petite brume qui s'est levée. Donc on espère qu'on verra cette petite fumée s'échapper de ce volcan. C'est parti pour une randonnée de nuit. On va essayer de voir la lave. Dernière journée à Hawaï. Aujourd'hui, on s'est dirigé vers le sud de l'île, sur une plage volcanique. On va voir s'il y a des tortues.